Normandie Matin. Tendance Ouest. L'éphéméride. Bon début de journée sur Tendance Ouest et bonne fête aux Émilie et aux Hervé. C'est l'anniversaire du champion belge Eddy Merckx, 75 ans, de la chanteuse Fabienne Thibault, 68 ans, tout comme le réalisateur Étienne Chatillez, 40 ans pour Venus Williams et 33 ans pour le rappeur Kendrick Lamar. En 1983, sortait Synchronicity, le cinquième album du groupe The Police. C'est l'album le plus populaire du groupe de Sting, c'est également son dernier avant de se lancer dans une carrière solo. Il reçoit 3 Grammy en 1984, dont celui de la chanson de l'année. Il y a 26 ans, une course-poursuite surréaliste aux États-Unis. Les chaînes de télévision suspendent leur programme pour suivre en direct la fuite d'O.J. Simpson, star du football américain, principal suspect dans le meurtre de son ex-femme. Après 9 mois de procès, il sera finalement acquitté. Soupçonné de meurtre, la légende du football américain O.J. Simpson s'évade à bord d'un véhicule Ford Bronco blanc. Une lente poursuite s'engage sur les autoroutes. Il y a 12 ans, Katy Perry lance son album One of the Boy avec des hits comme I Kissed a Girl et Hot and Cold. Pour le numéro 1 du jour, direction l'année 1994 avec un titre de Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, une chanson originale sortie en 1972 et chantée initialement par Johnny Nash, une reprise restée au total 24 semaines dans le top single en France. Podcast by Tendance Ouest.